Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir nos amis en Christ. Donc, bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct sur Radio de Vie. Nous sommes le 25 octobre 2012 et nous sommes bel et bien en direct sur TV de Vie et Radio de Vie. Il est 20h37, heure de Paris. Merci pour votre présence, pour votre amour pour la vérité. Vous êtes très, très nombreux à être connectés, n'est-ce pas? Être connecté, c'est pas réservé à tout le monde. Être connecté avec le Père Céleste, mes amis, c'est la grâce que le Seigneur accorde, bien sûr, à ses enfants. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à aimer la vérité, à aimer l'Évangile, à aimer la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour la présence de chacun de vous ce soir. Et prenez vos stylos, prenez vos cahiers, vos Bibles, avant tout, bien sûr. Afin de pouvoir noter, prendre des notes, et vous aurez bien évidemment la possibilité, comme d'habitude, de nous appeler et éventuellement nous poser vos questions. Voilà. Seigneur, nous bénissons ton nom pour nos amis, pour tes enfants, et pour, Seigneur, les inconvertis également qui sont connectés ce soir, pour également nos détracteurs que nous aimons beaucoup, Seigneur, parce que grâce à leurs critiques, nous avançons. N'est-ce pas? Et tu nous utilises, Seigneur, parce que ces hommes et ces femmes se lèvent contre ta vérité et que ton nom soit béni, Seigneur, que les écailles de nos yeux tombent encore ce soir et que Yeshua nous soit révélé dans toute sa splendeur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Voilà, Hervé, bonsoir. Bonsoir apôtre, Comment bonsoir vas-tu? Abdullah, ça va bien Tu par n'aimes pas grâce. trop l'écran, t'afficher, mais on n'a pas trop le choix quand on a reçu un appel. Oui. Surtout l'appel à gérer, à diriger, à prêcher. En tout cas, c'est Jésus qui fait. Hein. Bientôt, c'est le départ. Oui, bientôt c'est le départ. Alléluia. Et je pense que durant le séjour que Dieu a permis que je puisse passer en France, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu de la part du Seigneur Amen. au travers des différents enseignements, au travers des réunions de réveil et du centre Yidasco. Alléluia. J'ai Ah, bon. tu t'es inscrit aussi. Oui, pour la session, la dernière session, en Ok, fait. alléluia. J'ai Sur bon. la fin de temps. Oui, c'est la fin des temps. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a les frères et sœurs du Cameroun hein, qui te suivent hein, ce soir. Oui. Il y en a pas mal qui sont étudiants en Allemagne et qui soutiennent énormément la vision, Gloire à donc Dieu. la vérité. Dieu est Alors, bon. qu'as-tu à leur dire? Simplement. Ils ont de la famille aussi au pays, donc Oui. éventuellement donner ton numéro aussi. D'accord. En fait, simplement, nous encourager, pas simplement aux frères du Cameroun, à tous les frères, à demeurer ferme dans la foi par la grâce du Seigneur et à s'accrocher à la parole, à regarder à Jésus et à persévérer. Et bon, pour ceux qui voudront, qui ont la famille au niveau du Cameroun, oh, je peux donner mon contact là? N'y a pas de souci. D'accord. Il sera effectif, du moins le numéro sera effectif à partir de la semaine prochaine, puisque je rentre D'accord. la semaine prochaine. D'accord. Mais c'est le 00237 95 44 80 86. 00237 95 44 80 86. Donc à partir de la semaine prochaine, pour les frères et sœurs, Donc pour on va le rappeler. répéter encore une dernière fois parce qu'il y en a qui ont pris, pendant D'accord. que tu parlais, ils cherchaient en même temps un stylo. Ok. Donc le 00237 00237. 95 44 80 86, numéro Voilà. du Cameroun. Parfait. Donc vous pouvez bien évidemment donner ce numéro à vos familles qui sont à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Kongsaba. Oui, qu'on s'en bat Kongsaba, voilà. dans le nord, du moins, Dans en le famille au nord. niveau du Cameroun, au nord Chez du les Cameroun aussi. Bamileke là-bas Chez aussi. Bamileke, oui, Et dans la zone de que nous tenons à l'ouest. saluer ce soir, hein, les Bamileke, cette grande tribu des commerçants. Du commerçant, Alléluia. effectivement. Et les Bassa aussi, Oui. donc que nous saluons. Et puis bon, ben, toutes les tribus hein, de la terre. Hein, Voilà, donc Jésus. soyez encouragés au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Donc bonsoir, Papa Nat. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Ça fait Par plaisir la grâce du d'avoir Seigneur. un ancien parmi nous. Merci. Alléluia. Amen. Qu'as-tu à dire un peu par rapport à tout ce que Dieu fait, les guérisons, les miracles, les conversions notamment? Oui. La première des choses que j'aimerais bien partager, c'est de dire que quand il y a un problème, on cherche papa, on cherche maman, on cherche qui? Le docteur, l'avocat et tout. Et pourtant, la première des choses qu'il faut faire, c'est appeler Jésus. Alléluia. Ah, ça, c'est une belle parole. Donc, avant toute chose. Avant toute chose, appelez Jésus, parce que par Jésus, tu seras délivré,
par Jésus, tu seras guéri, et par Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est une belle parole, mes amis, d'un ancien. Merci Seigneur. Hein. Donc, on va également recevoir un frère qui nous vient de loin, de Brazzaville, et que nous aimons beaucoup, et qui, bien évidemment, dirige aussi une assemblée là-bas, de maisons. Il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui sont touchés par la bonne nouvelle. Amen. Ouais. Et comment ça se passe alors à Brazzaville? Ça se passe très bien. Et la soif, la parole est là. Amen. Parce que nous vivons véritablement des temps d'apostasie. Et même à Brazzaville aussi. Ah oui, Brazzaville, l'apostasie. Et ce message est une grande bénédiction pour beaucoup de frères et sœurs qui ont soif de la vérité. D'accord. Ouais. Waouh, que le Seigneur nous aide. Et donc, il y a quand même beaucoup de... Est-ce que tu rencontres d'autres pasteurs qui sont touchés par le message, qui veulent autre chose que ce qu'ils ont jusqu'à ce jour? Les pasteurs, pas beaucoup. D'accord. Parce qu'il faut avouer que les fondements étaient sur le sable. D'accord. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur, pas pour le royaume, mais pour cette vie terrestre. Waouh, pour le ventre. Donc, de plus en plus, il faut revenir à la bonne nouvelle. D'accord. Que Jésus est venu pour que nous héritions le ciel, qu'il y a quelque chose de plus merveilleux que la terre. Mm-hmm. Et beaucoup se battent pour la terre, mais il y a quelque chose de plus merveilleux qui nous attend. D'accord. Et je pense que c'est le message qu'il va falloir apporter aux frères et sœurs. Mm-hmm. Parce que l'Afrique est beaucoup aussi contaminée par les fausses doctrines, par les faux pasteurs, les charlatans, tout ça. Avec les situations économiques difficiles, sociales difficiles, et il y a beaucoup de plus en plus de charlatans. Wow. Les gens ont des difficultés, ils ont besoin des solutions, et là, malheureusement, plus de charlatans que des vrais. Oh là là. Vous voyez, frères et sœurs, avec les problèmes socio-économiques que connaît l'Afrique, malheureusement, il y a une prolifération, bien évidemment, des fausses doctrines, des faux ministères, des faux prophètes, et qui sont ceux et celles qui sont les victimes, ben, les Africains, et particulièrement les femmes, je crois, si je ne me trompe. Les femmes particulièrement. Pourquoi les femmes? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Mais la Bible nous apporte déjà des éléments de réponse. Beaucoup de femmes chargées qui sont là. Elles sont souvent les proies faciles. D'accord. C'est pour cela que Satan est parti parler à Ève plutôt que de parler avec Adam. Naturellement. Parce que l'homme réfléchit, raisonne. Un peu. Les femmes, c'est plus facile. Waouh. Et comme souvent, elles sont des poutres, donc c'est facile de taper à la poutre pour faire écrouler les toits. Ah ben c'est ça, on comprend. On comprend. Satan, il est très malin. C'est pour cela qu'on l'appelle le malin. Voilà. Donc, il va faire tomber d'abord la femme, parce que si la femme tombe, effectivement, l'homme... Plus facile de voir l'homme par la femme. Effectivement. Voilà, ça, c'est ce qu'ils font beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, de personnes également dans les assemblées. Ils arrivent d'abord par atteindre les femmes, et ensuite, les hommes tombent facilement. Parce que quand une femme décide de faire tomber son mari, elle a de quoi, elle peut s'y mettre, elle peut bien s'organiser avec des belles paroles, à l'instar de Dalila, de la Jézabel, la femme d'Akab. Donc voilà, donc c'est très connu. Mais il y a quand même des femmes, heureusement pour le Seigneur, pour nous, qui aiment le Seigneur, comme Déborah et plein d'autres. Voilà, merci Seigneur. Alors mes amis, nous tenons d'abord à bénir le Seigneur pour vos prières, pour l'engagement que vous prenez, n'est-ce pas, vis-à-vis du Seigneur, pour faire avancer son royaume sur la terre, pour faire avancer son œuvre sur la terre, et particulièrement, n'est-ce pas, dans les cœurs de ceux et celles qui aspirent au royaume des cieux. Et l'œuvre que le Seigneur fait, notamment en France, nous encourage énormément, ici et là, donc bien sûr, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout. Cette œuvre-là, donc, nous encourage énormément, et nous bénissons également son nom pour l'œuvre particulièrement qu'il opère, qu'il fait ici en France. Voilà. Donc, mes amis, il y a beaucoup de gens qui se sont levés dans la prière pour soutenir cette vision, qui se sont levés dans la prière pour soutenir ce message que le Seigneur nous a donné à nous et à vous également, parce que nous ne sommes pas, mes amis, les détenteurs de la vérité, parce que la vérité, on ne peut pas la détenir. Dans la mesure où la vérité est une personne, la personne de Dieu. Donc personne ne peut la détenir. C'est plutôt elle qui nous tient, qui nous détient. Donc beaucoup parmi vous avaient déjà reçu cet évangile que nous prêchons, l'évangile de la vérité, l'évangile de la croix. Mais ils n'avaient pas forcément les mots, n'est-ce pas, appropriés
pour comment dire, s'exprimer, pour exprimer les pensées, les désirs que l'esprit n'est pas suscité en vous, en eux. Donc, en ayant entendu cette parole, beaucoup ont reçu comme une confirmation, n'est-ce pas, dans leur cœur, de ce qu'ils avaient déjà reçu par le Seigneur directement dans la prière. Donc, et ces frères et sœurs qui ont reçu de telles confirmations en ayant écouté cette vérité, n'est-ce pas, qui est prêchée par TV Radio de Vie, se sont levés dans la prière pour soutenir cette vision, et également sur le plan matériel et financier. Et vous savez, nous vous avons parlé de la vente des locaux de TV de Vie et des locaux que nous avons achetés comptant, n'est-ce pas, à 89 000 euros, il y a 8 ans de cela. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir les revendre afin de pouvoir passer à autre chose. Et on peut, n'est-ce pas, les vendre entre 200 000 et 240 000 euros, entre 200 et 240 000 euros. Donc, imaginez si on peut les vendre à ce prix-là. Nous croyons que le Seigneur va nous aider. Et avec les soutiens des uns des autres, nous allons pouvoir acquérir de nouveaux locaux qui vont nous permettre d'avoir 3 ou 4 salles de classe pour le centre Didasco. Vous êtes tellement nombreux à nous appeler du monde entier. Encore là, tout à l'heure, avant l'émission, une sœur nous a appelé depuis la Guadeloupe pour réclamer, n'est-ce pas, et les enseignements sur la divinité de Yeshua, de Jésus-Christ. Et vous voyez, vous êtes nombreux à, n'est-ce pas, vous renseigner pour une éventuelle formation biblique, gratuite, bien sûr, et au centre Didasco. Et nous aimerions justement avoir ces locaux pour pouvoir avoir plusieurs sessions en même temps. Parce qu'il y a de nouveaux convertis qui demandent à être formés, mais on ne peut pas former au même moment les nouveaux-nés, les nouveaux convertis, avec les personnes qui sont déjà dans un ministère, n'est-ce pas, public. Donc nous avons eu à cœur, par l'esprit, d'acquérir de nouveaux locaux où il y aura plusieurs, n'est-ce pas, salles de classe. Donc chaque mois, comme vous le savez, nous avons une semaine de formation gratuite au centre Didasco. Alors imaginez, chaque mois, il y aura une semaine donc, de formation, bien sûr, avec 4 jours de formation, et avec plusieurs, n'est-ce pas, sessions. Donc une session pour les nouveaux-nés, une session pour les personnes qui dirigent déjà des ministères, des assemblées, une session pour les couples et une session pour la jeunesse. Imaginez un peu, et au même moment, avec plusieurs, n'est-ce pas, intervenants dans différentes salles de classe. Et on veut équiper les frères et sœurs gratuitement comme ça, pendant plusieurs mois, afin de les envoyer dans la mission. Et ceux qui dirigent des assemblées déjà, ils vont augmenter leurs connaissances, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, et par la suite repartir, rentrer dans leur champ missionnaire, dans leurs assemblées, et puis faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Donc imaginez un peu ce travail que nous voulons, n'est-ce pas, élargir, parce que les besoins sont tels que nous devons véritablement nous adapter, n'est-ce pas, nous y adapter pour pouvoir vous servir, et gratuitement. Donc il y aura également, bien sûr, un studio d'enregistrement, et donc un studio pour TV de Vie, un studio pour TV de Vie, avec une pièce pour la technique. Parce que si vous venez sur dans les locaux que nous occupons actuellement, vous verrez que la technique et le studio de TV de Vie sont dans la même pièce. Vous voyez, donc ce n'est pas très très commode. Donc voilà pourquoi nous voulons acquérir ce nouveau locaux, pour pouvoir mieux vous servir. Vous voyez, vraiment. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, atteindre le plus possible de personnes, le plus possible de Français, de souche également, parce qu'il y a des besoins. Vous voyez, regardez un peu la montée de l'islam dans les cités françaises, la montée de l'islam dans nos villes. Vous voyez, donc je crois qu'en tant que chrétien, en tant que chrétien aimant Dieu, nous devons véritablement nous lever, parce que nous croyons qu'avec ce message, avec la puissance qui l'accompagne, beaucoup, beaucoup de Français seront touchés. Il y a beaucoup de musulmans également que le Seigneur commence à toucher. Donc vous voyez, mes amis, c'est pour cela que cet appel est lancé. Aux vrais enfants de Dieu, pour pouvoir nous mobiliser, afin que nous nous mobilisions pour faire avancer ensemble l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, dans cette belle nation, n'est-ce pas, où Dieu nous a établis. Voilà. Donc, il y aura également un studio pour Radio de Vie, un studio
Et pour musique de vie, parce que nous avons actuellement dans nos locaux une pièce qui fait quoi? Un mètre carré pour le studio d'enregistrement de musique de vie. Et pour votre information, demain d'ailleurs, je vais enregistrer un chant donc, que Dieu m'a donné samedi dernier, donc avec l'équipe technique hein, de ce studio d'enregistrement. Donc il s'appelle Jésus, c'est ce chant-là que nous allons enregistrer demain. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets que le Seigneur nous met à cœur. Et donc il y aura également, bien sûr, dans ce nouveau local, une pièce pour les Documos. Et afin de permettre à cette équipe qui fait un travail formidable de pouvoir mieux, n'est-ce pas, travailler et aussi de vous servir pleinement. Donc voilà un peu comment nous voulons nous organiser. Et nous croyons que Dieu va se glorifier. Nous lui faisons confiance et nous avons déjà été visités et des locaux, je pense, David, on les a visités rapidement la dernière fois à Bras de Fer. Ouais, Bras de Fer, ouais. Donc, je crois que c'est vraiment des locaux qui vont, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, c'est vraiment pas mal parce que c'est déjà pré-équipé, c'est déjà des salles avec des tableaux, tableaux blancs, tout ça. Non, c'est vraiment intéressant. T'as vu comment c'est merveilleux, ouais, il y a plusieurs tableaux pour les... Plusieurs salles et puis... Non, c'est vraiment bien. Voilà, mes amis. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on aura de quoi faire. Voyez, et on verra également, pourquoi pas, dans ce nouveau local, comment le Seigneur va nous conduire, de pouvoir disposer de quelques chambres, bien sûr, pour nos étudiants. Parce que j'ai eu des mails d'une famille, notamment de la Martinique, qui me disait qu'ils comptent venir pour un an afin d'être formés. Donc, vous voyez, il y a des étudiants qui viendront de loin, qui vont pouvoir être hébergés sur place. Voyez, donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de nous mettre en place. Donc, je crois qu'il y a des gens qui appellent pour intervenir certainement par rapport à ce projet de nouveaux locaux. Voilà, que Dieu soit béni. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais. Voilà, donc, l'équipe technique reçoit un coup de fil par rapport, je pense, à ces nouveaux projets. Et qui nous encourage énormément. Oui. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle à partir d'Irlande et je m'appelle Titi. Depuis Irlande? L'Irlande, oui. Depuis l'Irlande, ok. Oui, j'avais les soucis pour contribuer à la nouvelle salle. Mais pendant que je dormais, le Seigneur m'a donné 39 000 euros. Et je ne sais pas si vous pouvez prier pour moi afin que j'ai... comment... Tu as fait un songe où on te donnait 39 000 euros. 39 000 euros. Pendant que je dormais, oui. Ok, ben que Dieu soit béni. Dieu va te le donner, il n'y a pas de souci. Amen. Amen, c'est celui qui t'a parlé. Il n'y a pas de problème. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc que Dieu soit béni en tout cas pour vos prières. Donc c'est plusieurs, c'est un local où il n'y a pas une grande salle pour les réunions, c'est pas ça. C'est un local où il y a plusieurs, pièces pour le centre d'Idasco, pour TV de vie, Radio de vie, et en fait pour mieux organiser le ministère afin de mieux servir, n'est-ce pas, les frères et sœurs qui sont touchés par le message tout simplement. Voilà, donc... Que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qui l'accomplit au milieu de nous. Alors, je crois que David, il y a des personnes également qui ont à cœur de soutenir, qui commencent déjà à soutenir cette nouvelle vision. Oui, tout à fait. On a déjà reçu pas mal de dons et des demandes pour savoir comment faire. Et encore ce matin, un frère m'a appelé pour me dire qu'il viendrait le 3 novembre de déposer une enveloppe, enfin un chèque. D'accord. Pour ce projet-là, justement, qu'il avait eu ça à cœur. Et puis, amen. Voilà. Ben, nous tenons à bénir le Seigneur et puis à encourager ce frère pour son soutien. Donc, ça nous encourage énormément. Ça nous permet de mieux travailler pour la France, pour l'Europe. Donc, c'est David, justement, Nabé, donc, qui s'occupe justement de la trésorerie concernant justement ce projet de locaux. Ouais. Voilà. Ludovic, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir frère. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, j'appelle de la Suède. Hein. De la Suède.
Moi, je m'appelle le frère Bidon. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Moi, je dis, j'appelle de la Suède. J'appelle de la Suède. D'accord. Ouais, j'aimerais bien avoir votre livre sur l'esprit de Jézabel. Ok, l'esprit de Jézabel, il n'y a pas de problème. On pourra te l'offrir, il n'y a pas de problème. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour l'en avoir? Écoute, rappelle-nous à la fin de l'émission. On va prendre tes coordonnées postales, ton adresse postale, et on va pouvoir te l'envoyer gratuitement. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bye. Ok, que Dieu soit béni. Voilà. Donc, vous voyez, les livres que nous sortons sont plus offerts que vendus. Parce que nous voulons vraiment, mes amis, que la vérité soit diffusée, que la parole que nous avons reçue soit partagée à tout le monde. Et la prière du fond de mon cœur, que toute la France soit touchée au nom de Yeshua. Et je crois qu'en France, nous avons 95 départements, n'est-ce pas? Et que ces 95 départements soient véritablement touchés par l'évangile de la fin de temps. Je crois que la manière dont les frères et sœurs, ensemble, la manière dont nous sommes en train de conjuguer nos talents, nos dons, frères et sœurs, et nos ministères, je crois que nous allons y arriver au nom de Yeshua. La France est un grand pays, hein, c'est le plus grand pays francophone. Je veux dire, la France a donné naissance aux pays francophones, a colonisé plusieurs pays, voyez. Donc, et on sait que le plus grand pays francophone, c'est la RDC, si je ne me trompe. Mais imaginez un peu, mes amis, le nombre de pays francophones qui peuvent être touchés par ce message si la France est bien touchée. Imaginez un peu l'impact, mes amis, de l'œuvre que Dieu va faire, que le Seigneur fait. Imaginez un peu les îles telles que la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, c'est des pays francophones, et la Guyane. Vous voyez, frères et sœurs, Tahiti, hein, et la Nouvelle-Calédonie, et Mayotte, hein, et les Comores. Et imaginez un peu le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, et imaginez un peu la Belgique, le Luxembourg, tout ça, et une partie de la Suisse, et le Canada, donc le Québec, bien sûr. Imaginez un peu, frères et sœurs, vous avez après la RDC, le Congo, Brazzaville, la Centrafrique, le Cameroun, voyez, et le Niger, et il y a tellement de pays, hein, le Tchad, voyez, il y a tellement de pays francophones, mes amis. Le travail est immense. Et bien sûr, les pays anglophones ne sont pas en reste. Nous y pensons. Mais en tout cas, il y a un grand travail à faire et il faut une bonne organisation. Il ne suffit pas seulement de parler en langue, hein, d'avoir l'onction pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut également toute une organisation, n'est-ce pas, pour que l'œuvre se fasse pour proprement. Et que le Seigneur soit béni pour vos soutiens. Donc, David, pour ceux qui veulent soutenir, ils peuvent donc directement te voir avec toi. Alors, et parce que nous avons un compte déjà qui est ouvert. Voilà, tout à fait. Donc en fait, ce compte est approvisionné, je pense. Il y a combien dessus sur le compte du projet de l'achat de nouveaux locaux. Pour l'instant, il y a quasiment 3 000. 3 000 déjà. Celui-là, hein, sur ce compte de ce projet. Ce compte pour l'achat. Voilà, tout à fait. Et mais sachant que en fait on a juste mis en ligne là les ça vient de commencer en fait finalement parce qu'il y a eu un peu de retard, donc on est en train de les mettre sur les différents sites, sur Didasco ça liait déjà, donc un lien avec pour ceux qui veulent Parib, l'ordre aussi, le PayPal, et puis voilà. Après s'il y a des questions, bon, moi je suis là, enfin mon numéro est disponible. Donc tu on peut donner ton numéro, donc oui, 06 12 13 21 49. Est-ce qu'on peut le faire défiler sur l'écran? C'est posé donc 06 49. 12 13 21 49. 21 49. Oui. Donc ça, c'est le numéro de David, le trésorier, qui s'occupe bien sûr de ce projet
et au nom de Yeshua. Donc déjà, quand on aura vendu ces locaux, on aura à peu près 180 000 euros. Voilà. Hein, déjà à peu près. Hein, faut, tout à fait. Voilà, donc je pense. Et puis avec le soutien des frères et sœurs, ben, on va pouvoir avoir de quoi pour acheter cash parce qu'on ne veut pas prendre de crédit. Tout à fait, ouais. On va pouvoir acheter ce locaux cash. Et vous aurez enfin un endroit où vous allez pouvoir venir bien comme il faut vous former. Et puis, pourquoi pas être logé pour ceux qui viennent de loin lors des programmes de réveil également. Oui. Voilà, donc que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Donc, je crois que tu me disais qu'un de tes amis t'a parlé d'un endroit. Oui, en fait, un de mes anciens collègues. Parce que tu étais un agent immobilier. Oui. D'accord. Il m'a parlé d'un site. Bon, il faudrait aller le visiter. C'est un grand hangar. Donc, il y a 150 mètres carrés, mais simplement, il y a 9 mètres de hauteur sous plafond. Donc, on peut faire deux niveaux et plus un appartement, effectivement. Là, pour l'instant, il m'a envoyé ça il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus. Et c'est en prix de vente à 190 000 euros. Bon, il y aurait des travaux, mais bon, il faut aller visiter. Et puis, d'accord. Ce serait bien quand même que tu ailles visiter un peu pour en parler aux frères et sœurs. Ouais. Parce que, et puis, on va pouvoir aussi filmer ces locaux hein, pour les montrer également à nos amis. Voilà, en tout cas, merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis au milieu de son peuple. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient des doutes hein, et à qui le Seigneur a parlé en songe pour leur dire c'est le temps, c'est ma vision. Et voilà, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur étant dehors dans la rue. Ce n'est pas possible, frère, ce n'est pas biblique. Il faut toute une organisation. Donc, merci pour tout, pour vos prières également au nom de Yeshua. Donc, nous croyons que d'ici fin septembre 2013, ouais. On va pouvoir être dans ces nouveaux locaux pour pouvoir mieux travailler. Donc, je crois même que bien avant. Parce que Dieu est dans l'œuvre. Quand il commence à donner des songes comme ça, comme cette sœur qui a eu un songe dans lequel elle voyait le Seigneur lui remettre 39 000 euros pour les nouveaux locaux, alors je me dis, Dieu approuve, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc nous allons parler bien sûr de Yeshua, comme d'habitude, notre maître, notre Seigneur, et sous un autre angle. On va parler de Yeshua en tant que pierre angulaire. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut-il nous lire cela? David, merci. 1 Pierre 2, donc verset 1 à 8. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia, gloire à Dieu. L'apôtre Pierre, c'est quand même incroyable. Hein, voilà quelqu'un dont le prénom est Pierre et qui va présenter Yeshua en tant que pierre angulaire. Alléluia. Amen. Dieu est magnifique, mes amis. Oh, j'aime la parole de Dieu, vraiment. Donc, Jésus, quand il a vu cet homme pour la première fois, n'est-ce pas, il lui dira, n'est-ce pas, tu ne t'appelleras plus Simon, n'est-ce pas, mais tu t'appelleras Céphas, ce qui signifie Pierre. Voyez, Pierre a été façonné par la pierre angulaire. Donc, voilà pourquoi il ne peut que bien parler de la pierre, de cette pierre angulaire, Yeshua. Et il dit aux chrétiens, au verset 5, « Et vous-même comme des pierres vivantes. » D'abord, au verset 4, il dit, « Approchez-vous de lui. » De qui? De Yeshua. Mais il dit, « Approchez-vous de Yeshua, donc de lui, Yeshua, qui est la pierre vivante. » D'accord? « Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alors, je voudrais dire quelque chose ce soir. Je vais vous dire une chose. Si vous rencontrez Jésus-Christ en tant que lion, vous allez avoir le caractère de lion, forcément. Si vous rencontrez Yeshua en tant qu'agneau, vous aurez les caractéristiques d'un agneau. Si vous rencontrez Yeshua en tant que chemin,
vous allez avoir également, vous allez devenir également des chemins. Voyez, qui conduisent au chemin véritable. Donc, si vous rencontrez Jésus-Christ en tant que pierre angulaire, vous deviendrez des pierres également. Donc, chaque aspect de Jésus de Nazareth, n'est-ce pas, nous communique, hein, nous façonne à son image. Et ça, c'est magnifique. Donc, voilà pourquoi Yeshua, en tant que pierre vivante, a fait de nous des pierres vivantes également. Voyez ? Alors, ici, Pierre dit que cette pierre vivante, Yeshua, est rejetée par les hommes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute personne qui reçoit la révélation de Jésus-Christ en tant que pierre vivante sera rejetée par les religieux. Voyez ? Donc, le rejet de la part des religieux, le rejet de la part des hommes, n'est-ce pas, constitue, n'est-ce pas, une vie normale pour toute personne qui reçoit la révélation de Jésus-Christ en tant que pierre vivante. C'est terrible, hein? Il est dit que cette pierre est rejetée par les hommes, mais elle est choisie et précieuse devant Dieu. Voyez ? Et Pierre dira, car il est écrit dans l'Écriture. En fait, il fait allusion. Il a fait allusion ici à Ésaïe 28, on le lira. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc, la pierre angulaire est tellement stable, hein, que les personnes qui mettent leur confiance en elle ne peuvent en aucun cas être confuses. Jamais. C'est une pierre qui peut, n'est-ce pas, qui a les moyens nécessaires pour garder un édifice inébranlable malgré les intempéries. Parce que quand une personne fait face aux critiques, aux intempéries, aux combats, aux difficultés liées à l'appel, si Jésus n'est pas sa pierre angulaire, la personne peut être confuse, peut remettre en cause, peut remettre en doute son ministère, son appel, voire même l'existence de Dieu. Voyez ? Donc, Yeshua, en tant que pierre angulaire, nous apporte la stabilité. N'est-ce pas ? Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et Pierre continue et dit, « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Donc, Yeshua est la pierre angulaire et le rocher des âges que nous allons décortiquer ce soir. Et nous allons voir de quel type, de quelle pierre s'agit-il effectivement, exactement. Et la Bible dit, frères et sœurs, cette pierre a été rejetée par les bâtisseurs, mes amis. Les bâtisseurs ont besoin des caillasses, des pierres pour construire. Mais la pierre la plus incontournable, la pierre la plus importante de l'édifice a été rejetée par les bâtisseurs. Vous vous imaginez un peu la confusion ? En fait, Ésaïe, qui a été le premier à parler de cette confusion liée au rejet de la pierre angulaire par les bâtisseurs, s'était référé à une histoire vraie, à un fait historique vérifiable. En fait, lors de la construction du temple de Salomon, vous savez que Salomon avait demandé à Hiram, roi de Syrie, de construire, de tailler des pierres pour la construction du temple de Yahvé. Et la pierre angulaire, la pierre la plus importante, avait été, mes amis, transportée de la Syrie à Israël, à Jérusalem. Et cette pierre, d'après les historiens, avait été négligée par les bâtisseurs. Parce que, ils ne savent, et en fait, c'est la pierre de l'angle, la pierre la plus importante d'un édifice. Et à l'époque de la construction du temple de Salomon, les bâtisseurs n'avaient pas fait attention à cette pierre. Ils l'avaient négligée. Et ensuite, bien sûr, ils l'avaient retrouvée et mis à sa place. Mais ils l'avaient négligée. Ils n'avaient pas compris que cette pierre qui était parmi les autres pierres était la pierre maîtresse, la pierre la plus importante. Vous voyez ? Et cet oubli,
cette négligence était en même temps un acte, n'est-ce pas, prophétique, qui annonçait le rejet de Yeshua, le rocher des âges, de la part des bâtisseurs, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les sadducéens, en gros, les dirigeants, les conducteurs du peuple hébraïque. Vous voyez ? Ils ont négligé la pierre de l'angle. Et ça, c'est terrible. Frère, et Paul, Pierre continue, il dit, cette pierre est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc Yeshua, en tant que pierre angulaire, si vous recevez sa révélation, si vous recevez la révélation en tant que, de Jésus en tant que pierre angulaire, le rocher des âges, sachez-le que vous serez entouré de scandales. Ben oui, c'est pour cela que les chrétiens doivent être bien enseignés. Dans un ministère où Jésus est révélé comme la pierre angulaire, frère, il y aura des scandales. Ben oui. Parce que la personne ou les personnes qui reçoivent la révélation de Yeshua en tant que pierre vont, mes amis, être mes amis, à l'origine de plusieurs scandales. Mais, alors qu'elles ne sont pas, elles ne sont pour rien. Mais c'est simplement la présence de la pierre angulaire dans leur vie va faire que beaucoup de religieux vont les attaquer. Voyez ? Et la Bible dit, il se heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Les gens vont heurter. Ils vont, mes amis, ils vont buter sur la pierre angulaire. Il va y avoir toutes sortes de propos, toutes sortes de paroles libérées parce que le rocher des âges est révélé dans cette assemblée ou dans la vie de ce ministère. Voyez ? Et c'est ça que vous devez comprendre. Yeshua, en tant que pierre angulaire, mes amis, si vous recevez sa révélation, vous aurez des problèmes tout au long de votre vie. Vous aurez des combats comme pas possible. D'abord, le rejet. Deuxièmement, les gens qui font, les grands pasteurs de votre ville peuvent vous rejeter. Ils ne vont pas faire de cas de vous. Vous serez un wanted. Vous serez un wanted, vous serez rejeté parce que vous portez la pierre angulaire. C'est tout. Quand vous arrivez quelque part avec cette révélation de Yeshua en tant que le rocher des âges, si vous arrivez quelque part, les religieux vont commencer à faire bloc contre vous. Ça va être des scandales partout. Ils vont aller voir les autorités pour vous chasser du pays. Voyez ? Parce que la pierre angulaire, la Bible dit que quand elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrase. Voyez ? C'est terrible. Hein ? Allons voir dans Ésaïe, chapitre 28, David. Verset 16. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voyez ? Ça c'est terrible, hein, frère. Ésaïe l'a dit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu dit, voici, ainsi parle Adonai, n'est-ce pas, Yahvé. Voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre. C'est terrible ce qu'il dit ici. Sion, c'est Jérusalem. Donc, Ésaïe prophétise que Jésus-Christ est le fondement de Jérusalem. Il a dit dans Jean 6 que Jérusalem est la ville du grand roi. Vous comprenez pourquoi ? Jérusalem ne peut pas être détruite par les nations. Parce que son fondement, c'est la pierre angulaire. Elle est inébranlable comme ville. Allons vérifier cela dans Zacharie chapitre 12. Alléluia. Zacharie 12, verset 1er, David, au verset, n'est-ce pas, 4. Zacharie chapitre 12, verset 1er au verset 4. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Mm-hmm. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Mm-hmm. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Mm-hmm. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris.
et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous vous rendez compte? Dieu dit qu'il fera de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Une pierre pesante. Jérusalem, ici, c'est Sion. Sion a pour fondement la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, vous vous rendez compte? C'est pour cela que les nations ne peuvent pas détruire Jérusalem. Parce que dans l'invisible, c'est Jésus qui est au fond. Voyez, frère? Et Dieu dit que tous ceux qui vont soulever Jérusalem seront meurtris. Parce que c'est une pierre pesante. C'est Yeshua. Frère, aucun tremblement de terre ne peut détruire Jérusalem. Aucun tremblement de terre. Aucune arme. Voyez, c'est terrible, frère. Yeshua, le Dieu véritable. Il est le fondement de Jérusalem et il est le fondement de l'Église. Hein? Ça, c'est glorieux, mes amis. Notre Dieu est trop fort. Simplement trop fort. Voyez? Et on continue la parole de Dieu, la pierre angulaire, le rocher. Ésaïe 26. Verset 4. Ésaïe 26 au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Waouh! Tu vois, David, Ésaïe dit que le rocher de siècle s'appelle Yahvé. D'accord? Le rocher de, n'est-ce pas, des siècles. Le rocher de siècle, c'est Yahvé. Donc, quand Ésaïe dit que Yahvé est le rocher des siècles, ça veut dire qu'il est le rocher éternel. Donc, il n'y a pas deux rochers. Il n'y en a qu'un. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul rocher. Et Dieu le dit clairement, clairement dans Ésaïe. D'ailleurs, il est catégorique. Il est clair. Il dit qu'il est le seul rocher, le rocher véritable. Oh, j'aime la parole de Dieu, mes amis. J'aime la parole de Dieu, le rocher des siècles. Alors, nous sommes, mes amis, dans 1 Corinthiens chapitre 10. Tu peux nous lire, ça peut être verset premier. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ok. Paul va plus loin encore. Il dit que les enfants d'Israël étaient suivis par un rocher. C'est ce qui est écrit, non? Oui, oui, tout à fait. Donc, David, on apprend que ce rocher marche, se déplace. Vous vous rendez compte ici, Papanat? Un rocher qui a suivi les enfants d'Israël pendant leur traversée. Allez dire ça aux scientifiques. Je sais que tu es scientifique, Papanat. Hein? Tu peux prendre le micro. Hein? Une montagne qui se déplace. C'est illogique. Scientifiquement, c'est pas recevable. Ah. C'est de la folie. C'est ça l'évangile. Alléluia. Et on dit que ce rocher suivait les enfants d'Israël. Veillait à ce que les enfants d'Israël fassent une bonne traversée. Et qu'est-ce qu'il leur, donnait comme nourriture, hein? C'était, on nous dit que ce rocher produisait de l'eau. On va le voir tout à l'heure. D'accord? De l'eau. Mais on a compris que ce rocher était la préfiguration de Christ. Paul le dit clairement. Allons voir maintenant dans Ésaïe 44, David. Verset 8. Ésaïe 44, au verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Oh! Ah, on arrête à deux secondes. Ça, c'est une pensée qui me vient comme ça. Là. Yahvé dit aux enfants d'Israël, vous êtes mes témoins. Et dans Actes 1, 8, Jésus dit aux apôtres, vous serez mes témoins. Mais mes amis, vous n'avez pas compris encore qu'il est Dieu? Continuons. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher.
Je n'en connais point. Ah! Y a-t-il d'autres dieux que moi? Non. Et il rajoute, il n'y a pas d'autres rochers que moi. Je n'en connais. Bon, qui parle ici, David? Réponds-moi un peu, s'il te plaît. Qui parle ici? L'Éternel. C'est l'Éternel, donc Dieu. Dieu, ouais. Donc si Dieu dit qu'il ne connaît pas d'autres rochers, et que Jésus-Christ se présente comme le rocher. Donc Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Maintenant, si on dit qu'il n'est pas Dieu, alors là, dans ce cas-là, Dieu a menti. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 44, ici, 8, qu'il ne connaît pas d'autre rocher que lui. Or, Jésus-Christ se présente comme étant le rocher des âges. Mon frère Jacques, qu'as-tu à dire un peu là? C'est quand même fort là. Or, Dieu ne ment pas, bien sûr. Notre Dieu ne ment pas. Oui, comme a dit le frère, Dieu ne ment pas. Voilà. Il démontre suffisamment que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Yahvé, au 8e siècle avant Jésus-Christ, déclare qu'il ne connaît pas d'autre rocher que lui-même. Hein? Et Ésaïe 28 nous parle d'un rocher qui soutient Jérusalem, Sion. Et Paul nous dit que ce rocher a suivi la traversée des Hébreux, la traversée du désert, le Sinaï. Et il dit que ce rocher était Christ. Mes amis, vous avez besoin de quelle preuve encore pour réaliser que Jésus-Christ est Dieu? Le rocher des âges. Frères et sœurs, mes amis, allons voir maintenant de quoi est capable ce rocher. Hein? Alléluia. Yeshua en tant que rocher. Non, je le kiffe. Vrai ou faux là? Ceux qui ne l'aiment pas, la Bible dit que celui qui n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit, n'est-ce pas, anathème, maudit. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. David, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome 32. On va lire à partir du verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. David, on attend 2 secondes. C'est puissant ce qui se passe ici. Moïse nous a révélé aussi ce rocher. Attends. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Alors, il dit quoi au verset 4? Il est le rocher. Il est le rocher. Qui? L'Éternel. L'Éternel Yahvé. Alléluia. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Oh my God. C'est un chant. Hein? On continue. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils sont corrompus, à lui n'est point la faute. À lui n'est pas la faute. Il ne faut pas lui attribuer les erreurs des gens. On continue. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Là, on fait une pause. On vous parlera de Jésus-Christ en tant que l'aigle royal. Il y aura un enseignement là-dessus. Vous allez voir l'aigle royal. Alléluia, manga. On continue. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis. Ok, on va doucement ici, David. Tu vois, ici, c'est terrible. Hein? Et on nous dit que
il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel de quoi ? Du rocher. Le miel du rocher. Donc ce rocher donne du miel. Du miel. D'accord ? Le miel, c'est doux pour oh, la gorge. Et Jean-Baptiste mangeait du miel sauvage. Ce miel sauvage sortait du rocher. Vous vous rendez compte, frère ? Le miel, un rocher qui donne du miel, allez voir les botanistes, allez voir les scientifiques. Dites-leur que nous connaissons le nom d'un rocher qui donne du miel. Frère, ils vont vous interner. Hein ? Donc, ce rocher produit d'abord du miel. Alléluia, alléluia. Vous voyez, non, mais même si les abeilles disparaissent, le rocher est là, frère. On continue, David, s'il te plaît. Donc, il y a le miel, il y a quoi d'autre encore? On continue. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Deuxièmement, il y a l'huile. Ce rocher donne du miel. Ce rocher donne de l'huile. Hein? Mes amis, allez dire aux scientifiques de l'eau et du lait. Quatre aliments qui sont fournis par le rocher, Yeshua. L'eau. Frère, les enfants d'Israël avaient soif dans le désert. Ils commencent à pleurer, à pleurnicher. Oh, nous allons mourir de soif. Ah, nous allons... Dieu dit à Moïse, prends un bâton, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher à deux reprises, on connaît l'histoire. Et à cause de cela, Moïse n'est pas rentré en Canaan. Parce que le rocher, il faut le frapper une seule fois. Christ est mort une seule fois, pas deux fois. Vous voyez, frère, c'est ça. C'est pour ça que quand il est allé sur la croix, on a percé son flanc, n'est-ce pas? Et l'eau et le sang sortirent. Vous voyez, frère, c'est le rocher des âges. Frère, l'huile qui sort du rocher le plus dur, mes amis, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Si on te dit, mon frère Nyanga, mon frère Jacques, va voir ce rocher, il te donnera de l'huile. Tu vas dire, non, mais frère Chora, qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est de la folie. C'est une folie. Le rocher est dur comme ça, et toi, tu me dis que du miel. Frère, le miel, comme Samson disait, du plus doux, est sorti du plus fort. Hein? Le plus doux est sorti du plus fort, en parlant du miel. Comment le miel, qui est quelque chose de doux, peut-il sortir d'un endroit, d'un rocher aussi dur que Yeshua? C'est ça le paradoxe. Il est à la fois dur et doux. Ça, c'est merveilleux. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Waouh! Donc, quatre aliments. On nous dit au verset 14, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassan et de bouc, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Tout ça, là, vient du rocher aussi, frère. Même le vin. Tout ça, là, ça, c'est glorieux. Voilà pourquoi quand on a percé son flanc, frère, mes amis, et l'eau hein, et le sang, le vin, coulèrent. C'est normal. Maintenant, on pouvait boire pour avoir la vie. Parce que sans, mes amis, ce breuvage-là, il n'y a pas la vie. Quel Dieu avons-nous? Non, frère, il n'est pas un simple prophète. Et regardez ce que Dieu dit. Le verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Waouh! Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Oui. David, c'est ce rocher qui a fait naître l'Église. Mm-hmm. Dans Matthieu 16, 18, il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, Petros, et que sur ce rocher, mm-hmm. J'aime la version de Darby, hein, ou de Martin, et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Waouh! L'Église est bâtie sur le rocher, la pierre angulaire. Voilà pourquoi, mon frère Jacques, si l'Église véritable tombe sur quelqu'un, elle l'écrase. Un vrai chrétien, s'il tombe sur quelqu'un, là, Dieu te prend comme ça, il t'envoie dans un pays rempli de maçonnés, de maçons, des rosicruciens. Mais tu vas faire des dégâts, mon frère. Des dégâts. À ton arrivée déjà dans l'avion, déjà, ton caractère de pierre commence déjà à frapper. Hein? Les briques de Babylone. Jesus, alléluia. Parce qu'il y a, vous voyez, il y a une lutte, il y a un combat entre les pierres et les briques.
voyez, dans Genèse 11, les hommes de Babylone ont construit des briques. Les briques sont de fabrication humaine, mais les pierres sont de fabrication divine. Parce que Dieu les façonne, tel que le diamant, frère, sous la pression, par la pression des eaux, de la chaleur, sous terre là-bas, à l'insu des hommes. Et quand ça sort, tout le monde voit la beauté de ces pierres, frère. On va voir Yeshua en tant que pierre véritable. De quelle pierre s'agit-il? Vous allez voir ça, frère. Vous inquiétez pas. On arrive. Et cette pierre-là nous a fait naître, frères et sœurs. Donc ça veut dire quoi? Yeshua, en tant que pierre angulaire, a fait de nous des pierres vivantes. Et comme nous sommes des pierres vivantes, Hervé, qu'il pleuve, qu'il neige, on ne bougera pas. Nous sommes incontournables, frère. Parce que la pierre angulaire est incontournable, nous devenons incontournables. Parce que la pierre angulaire est inébranlable, on ne peut pas nous ébranler, frère. Des petites vagues comme ça, quand ça déferle sur nous, nous ne tombons pas. Parce que nous sommes inébranlables, parce que nous sommes bien bâtis. Frère, vous savez la parabole de ces deux personnes, de ces deux constructeurs. Il y en a un, n'est-ce pas, qui a construit sur du sable. Le torrent est venu, le vent a soufflé, la maison s'est écroulée, frère. Ça, c'est la Babylone. Ça, c'est l'église religieuse. C'est la religion organisée. Mais la deuxième personne avait creusé profondément. Et il a trouvé au fond là-bas le rocher des âges. Frère, il a bâti sa maison sur le roc. Le torrent est venu. Les démons l'ont attaqué. Frère, la maison était inébranlable. Jesus Christ. Tes ennemis attendront ta chute. Ils vont vieillir. Toi, tu vas toujours rajeunir. Les barbares, mes amis, quand la vipère a mordu Paul, les barbares s'attendaient, mes amis, à ce que Paul meure. Frère, ils l'ont accueilli avec bienveillance. Mais quand la vipère l'a mordu, frère, ils ont changé de langage, ils ont dit c'est un meurtrier. Mais Paul ne s'est pas arrêté à leur propos. Paul, mes amis, a continué à secouer la vipère dans le feu, frère, le feu du réveil, le feu de l'esprit, le feu dévorant. Et ils ont attendu longtemps, frère. Paul était rempli de vitamines, frère, alléluia. Parce que Paul était sur le roc, Paul était sur le rocher. Le rocher soutenait Paul, frère. Oh my God, alléluia. Amen. Jesus. Mes amis, c'est lui qui t'a créé et le rocher des âges. Frère, les tremblements de terre ne peuvent pas l'ébranler. Il est inébranlable. Frère, il a bâti Sion. Regardez comment les nations ne pouvaient pas détruire, frère, Jérusalem. Même pour que Nebuchadnezzar détruise Jérusalem, c'est Dieu qui a décidé, frère. Mais après, Jérusalem a été reconstruite. Parce que le fondement de cette ville, c'est Yeshua, la pierre angulaire, frères et sœurs. Oh mon Dieu! Vous avez vu Jérusalem, qui pouvait la détruire, frère? Même quand ils l'ont détruite, frère, le Seigneur l'a reconstruite. Et nous, l'Église, nous avons le même fondement que Jérusalem, frère. Mais le fondement, un fondement révélé sous plusieurs aspects. Yeshua en tant que lion, Yeshua en tant que lion, Yeshua en tant qu'agneau, Yeshua en tant que haut, Yeshua en tant que poux. Alors, le fondement véritable, qui peut t'ébranler? Qui peut te renverser? Qui peut te... Oh my God, vous, ne soyez plus frères et sœurs abattus. Hein? Jesus Christ. Oh, alléluia. Le fondement, c'est la racine. Mes amis, si les branches peuvent porter des fruits et des fruits et des feuilles, c'est parce qu'elles sont portées par la racine de l'arbre. Et la racine, c'est Yeshua. On ne la voit pas, mais pourtant, c'est grâce à elle que l'arbre tient. Amen. C'est pas parce qu'on ne voit pas le fondement d'une maison que le fondement n'est pas là, frère. Ça, c'est Yeshua. Il est tellement puissant qu'il se cache. Il laisse nos ennemis nous attaquer. Mais lui, il est derrière. Comme on dit en lingala, Yamukolo, c'est le grand frère. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Frère, nos maisons ne peuvent pas être détruites. Donc, un vrai ministère qui vient de Dieu, qui craint Dieu, frère, jamais, jamais, jamais ne sera renversé. Jamais de la vie. Parce que le fondement est là. Je vais vous dire pourquoi. Le fondement Yeshua en tant que rocher. En tant que rocher, Yeshua produit le lait dont le ministre que tu es a besoin pour, pour les os, pour que ton squelette, tes os là, soient bien forgés. Parce que le lait est indispensable, mes amis, pour, pour les os. Vous voyez, frère? Donc, ça, c'est ta charpente. Oh, mon Dieu. Quand les os sont ébranlés, mes amis, le corps s'affaisse, hein. Voyez, mais quand ils sont en bonne santé, parce que le lait est là, désirez le lait spirituel, nous dit 1 Pierre 2, frère. Voyez, le rocher que nous sommes, le fondement de l'église produit le lait pour l'église. Il produit l'eau. Il produit le lait. Il produit l'eau, l'huile
dont tu as besoin pour alimenter la lampe que tu es. Ouais. L'huile pour te rendre souple afin de glisser dans ce chemin étroit. Hein? Dans ce chemin resserré, dans cette porte étroite, tu peux facilement glisser parce que tu es complètement huilé. Voyez, frère, laissez tomber. Yeshua n'est pas n'importe qui, mes amis. Oh, je l'aime beaucoup. Alors, voyez, frères et sœurs, non, je crois que vous aimez vraiment le Seigneur. Et vous allez de plus en plus l'aimer parce que Dieu nous le révèle autrement. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Nous sommes au verset 31. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Ah! Car leur rocher n'est pas notre rocher. Jesus. Mes amis, il y a d'autres rochers. Mais les autres rochers là ne peuvent pas être comparés au nôtre. Leur rocher n'est pas notre rocher. Oh mes amis, verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. 37. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Ah, j'aime cette parole. Alléluia. C'est un ordre. Hein? Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Oh, j'aime cette parole. Personne. On peut être délivré de Satan. On peut délivrer de la chair. On peut délivrer, n'est-ce pas, de la mort. Mais on ne peut pas être délivré de ce rocher, de Jésus-Christ. Jonas a voulu se délivrer, hein, s'auto-délivrer de Jésus-Christ. On connaît la suite. Ça ne sert à rien de fuir l'appel. Parce que quand, si tu es déjà attrapé par le rocher de Zage, s'il a mis sa main sur toi, ne cherche pas à fuir. Il n'y a pas un endroit où tu pourras te cacher. David, dans Psaume 139, disait, si je monte au ciel, tu es. Si je descends, tu es là-bas. Dans le séjour des morts, tu vas me faire remonter, comme tu as fait remonter mes amis Moïse. Dans les eaux, tu enverras un requin ou une baleine. Dieu, il est trop fort. Hein? Il n'y a pas d'autre mot. Le rocher. Alors, nous allons maintenant voir quelqu'un. Nous allons lire l'histoire d'un homme dans la Bible qui a eu la révélation de Jésus-Christ en tant que rocher. Mais avec beaucoup plus de détails. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 1er. Notre frère Ézéchiel était sacrificateur. Ézéchiel chapitre 1er. Premier. On va lire à partir du verset 1er. Okay. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ok, je t'arrête là 2 secondes. J'aime cette parole. Ézéchiel se retrouve parmi les captivités babyloniens, à Babylone, près du fleuve Kébar, comme il le dit lui-même. Il était avec d'autres compatriotes, un juif qui était également captif. Et la Bible dit qu'il va voir les cieux s'ouvrir et recevoir des révélations divines. Et ça, ça commence bien. Ça veut dire que vous ne pouvez pas connaître Jésus-Christ sans la révélation. Il se révèle. On ne peut pas avoir une connaissance de Jésus-Christ en allant dans une école biblique. Dans une école théologique, il faut que le ciel s'ouvre pour que vous ayez la révélation de ce Dieu. On continue. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Josiakim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se trouvaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces,
Ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les êtres vivants s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et il y en avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Alors là, maintenant, verset 26, regarde David. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Qui était sur leur tête. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Donc là, nous avons une information importante concernant le trône de Dieu. On sait que c'est un trône de feu, selon Daniel. Mais ici, Ézéchiel dit que c'est une pierre de saphir. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus. En haut, comme une figure d'homme. Voilà la révélation de Jésus-Christ que Ézéchiel va recevoir ici avant d'entrer dans son ministère. D'accord ? Avant de répondre à l'appel prophétique, il va recevoir la révélation de Jésus-Christ en tant que pierre de saphir. Donc ce rocher est la pierre de saphir. D'accord ? On sait que la pierre de saphir est une pierre précieuse et on l'appelait la pierre la plus belle pierre. D'accord ? Saphir en hébreu signifie littéralement la plus belle chose. Hein ? Saphir, c'est sapir en hébreu, c'est la plus belle chose qui existe sur terre. Vous vous rendez compte ? Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et saphir, la pierre de saphir peut être de plusieurs couleurs. Hein. Il peut avoir plusieurs couleurs. Le rouge, par exemple, c'est pas le saphir, c'est le rubis. Mais il peut être, la pierre de saphir peut être bleue, jaune. Voyez. Mais la couleur la plus précieuse là, c'est la couleur bleue. C'est pour cela que quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez que le ciel est bleu. C'est pas en vain. Voyez. Et si vous êtes hors de la planète Terre, hors du globe terrestre, si vous êtes dans l'espace, vous verrez que la Terre est bleue. On l'appelle la planète bleue. Pourquoi ? Parce qu'elle est, mes amis, est remplie de 70% d'eau. Vous vous rendez compte ? Et l'eau, c'est Yeshua. On en parlera également. 70%. Pourquoi ? On retrouve le chiffre 7. La perfection. Yeshua. Le Shabbat. Le septième homme. Non, frère, il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ?
Je vous ai dit, jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons parler de lui sous plusieurs aspects. Et là, Ézéchiel voit un trône en forme de pierre, mais de saphir. Donc le trône de Dieu est bleu, en feu en même temps. Donc ce feu est à la couleur bleue. Quel frère, si vous avez la révélation du trône de Dieu, vous ne chercherez plus à le quitter. Vous allez rester toujours au pied du trône. Je veux rester ici. Et si vous voyez maintenant la personne qui est assise dessus, hein, Ézéchiel dit que cet homme, cette personne a une figure d'homme. Hein? A la figure d'homme, mon frère Jacques. C'est terrible ça, le fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il s'appelait le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'il dit encore Ézéchiel? Il dit qu'il avait une figure en forme de... N'est-ce pas? Donc il y avait une figure hein, en forme de... Et sur cette forme de trône apparaissait, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Vous vous rendez compte? Au-dedans, ça veut dire quoi là? On ne comprend pas trop, on se dit, mais attends, mais c'est du français ou comment? Ézéchiel a fait tout son possible pour retranscrire, pour expliquer avec ses mots, n'est-ce pas, l'inexplicable. Tu vois, Papa Nat? Il a essayé avec ses mots, il dit, au-dedans de là où était cet homme. Donc au-dedans de lui, il y a comme du feu. Oh mon Dieu. Au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Environné de gloire. Et ça, c'est notre Dieu, Papa Nat. Jésus-Christ de Nazareth, avec une figure d'homme. C'est pour cela qu'il est venu sauver l'homme. Parce que lui-même a la figure d'homme. Créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ben oui, mes amis. Ben oui, c'est ça, l'homme, la créature la plus merveilleuse. Non. Et vous dites que Jésus n'est pas Seigneur, que Jésus n'est pas Dieu, que c'est un prophète comme un autre prophète. Mais mes amis, il faut qu'on nous parle de lui plutôt que de nous parler des églises, des ministères, des dénominations, de l'onction. Frère, c'est bien tout ça, mais il faut nous parler de la personne qui nous sauve, qui nous a sauvés. C'est ça l'évangile. L'évangile est basé sur lui. Et Ézéchiel continue, il dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. Mes amis, Ézéchiel, mon frère Jacques, avant de répondre à l'appel, parce qu'il allait rencontrer des scorpions, hein, nous dit la parole, des scories. Avant de répondre à cet appel pour aller confronter les religieux, il fallait d'abord qu'il ait une révélation terrible sur la personne de Dieu. Et il a vu Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi 1 Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour nous qui sommes les dispensateurs de cette grâce du Seigneur. Dans 1 Pierre 1:10. Quelle grâce. Quand Ézéchiel a vu Jésus-Christ ici, il se dit, oh non, non, s'il te plaît, je ne veux plus bouger. Oh, oh non, dis-moi, quand est-ce que tu vas venir sur terre? Donne-moi la date pour savoir si je vais vivre encore jusqu'à cette date. On lui a dit, non, Ézéchiel, ce n'est pas pour toi. Toi, on t'a donné seulement un avant-goût, mais c'est réservé à l'épouse. Alléluia. Oh mon Dieu. Waouh. À cette vue, je tombais sur ma face. Qui ne peut pas? Qui peut rester debout devant cette gloire? Hein? Et il associe cet homme à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, il n'a pas vu deux personnes assises sur le trône. Hein. Il a vu une seule personne
qui avait la figure, la face, n'est-ce pas, la face d'un homme. Il a vu du feu en bas et en dedans comme de l'airain poli, ardent. Frère, ressemblant à la pierre de saphir. Allons voir dans Exode, David 24, verset 10. Exode 24, verset 10. 9 à 10. 9 à 10, pardon. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils montent sur le mont Sinaï. D'accord ? Tous. Et le verset 10 ? Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. D'Israël. On continue ? Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ah ! Donc vous voyez que je vous ai dit que le saphir, c'est le bleu, hein ? Donc, quand vous regardez le ciel, quand il fait beau, on voit quoi ? La couleur bleue. Vous voyez, mais de quand vous voyez le ciel comme ça, dites-vous, oh, vous avez en fait un petit aspect de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vu sous les pieds de Dieu, hein, comme du saphir. Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vu sous les pieds du Créateur. Vous vous rendez compte, frère ? Pas sa face. Parce que la face de Yeshua était réservée à l'église. Mes amis, vous vous rendez compte ? David, notre Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur, les 70, quand ils sont montés sur la montagne de Sinaï, ils ont vu seulement les pieds. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est beau ! Oh là 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 ! Oh là là, mais c'est comme du saphir, c'est tout bleu, comme le ciel. Frère, laissez tomber. Dieu est glorieux. Nous sommes dans. Tu vois, on cogite, hein, on se dit, mais waouh, waouh, la nature nous révèle Dieu en fait. Voilà. Nous sommes dans Apocalypse 4 maintenant, David. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1 au verset 3. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et, sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Wow. Et on continue, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez, le même arc-en-ciel que Ézéchiel a vu. Donc, quand vous voyez l'arc-en-ciel au ciel comme ça, David, dites-vous que cet arc-en-ciel-là entoure le trône de Jésus-Christ. Hein ? Il y a combien de couleurs dans l'arc-en-ciel ? 7 au moins, si je ne me trompe. La perfection. Hein ? On a le blanc, on a le rouge, on a le jaune, on a le bleu. Vous voyez, frère, oh magnifique, magnifique Yeshua, Papa Nat. Et Jésus au ciel, sur son trône, il ressemble à de l'émeraude, il ressemble à la pierre de saphir, hein, et il est entouré de ces couleurs, hein, qui scintillent, qui brillent, hein, et dedans c'est du feu, hein, vous voyez le feu là, bleu comme ça là, comme le feu de, vous savez quand vous allumez vos gazinières là. Hein, avec du gaz, là, le feu, c'est bleu là, bien comme il faut là. C'est Yeshua, c'est ce feu là, mais pire encore. Tout bleu, pur. Hein? Il est assis sur son trône, avec la couronne sur sa tête. Hein? Et il regarde la création, la pierre angulaire, Yeshua. Et mille milliers sont devant son trône pour l'adorer. Ils sont à genoux en train de chanter des cantiques nouveaux avec des harpes. Les 24 vieillards assis devant, les 4 êtres vivants assis devant. Ils sont à genoux en train de lui rendre hommage, de lui rendre gloire à la pierre angulaire, frère. L'Église doit présenter cet homme au monde, ce Dieu au monde, plutôt que de s'arrêter sur les futilités, sur l'argent, le matériel, sur les voyages à gauche, à droite, sur le ministère. Frère, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Quand Jean monte au ciel, il a vu cet homme de Galilée. Tout de suite, il a vu ce trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Vous savez, le souverain sacrificateur avait les fodes sur lui. Et il y avait la pierre de jaspe et de saphir. Vous voyez ? De sardoine. Sardoine était la première pierre. Saphir était la dernière. L'alpha et l'oméga. Et au milieu de ces deux pierres, il y avait les 10 pierres. Hein, pour représenter Israël. C'est-à-dire, il nous tient, Yeshua, dans sa main. Nous sommes des pierres vivantes dans ses mains. Il est au début et il est à la fin. Qui peut nous atteindre maintenant ? Nous sommes en sécurité. Les pierres vivantes. Oh mon Dieu, oh my God, alléluia, gloire à Dieu. Et Zacharie nous dit, Zacharie, ah, alléluia. Je sais que beaucoup sont touchés ce soir parce qu'ils découvrent la pierre angulaire, la pierre qui soutient leur ministère, la pierre qui les garde, la pierre qui les protège, qui protège leur maison, leur famille. Alléluia. Je crois qu'il y a des gens qui commencent à appeler. Zacharie 3. Zacharie 3. Verset 9. Au verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Vous vous rendez compte ? Cette pierre, Yeshua, a 7 yeux. Hein ? 7 yeux. Ces 7 yeux, mes amis, représentent les 7 lampes du chandelier. D'accord ? Les 7 yeux, Apocalypse chapitre 4. Verset 4. Apocalypse 4, verset 4. À 5. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Tu t'en rends compte ? Les 7 yeux de la pierre sont les 7 esprits de Dieu, sont en même temps les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu. Et ce sont les yeux de la pierre angulaire, le fondement de l'Église. Mes amis, avec ces 7 yeux, Jésus sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Hein? Et les 7 lampes du chandelier brûlent, c'est-à-dire éclairer en face la lumière de Yeshua. Yeshua. Vous vous rendez compte, frère? Et c'est cette pierre qui est le fondement de ma vie. Oh oui, faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, vous allez toujours échouer. Toujours. Que personne ne t'ébranle. Qu'aucune nouvelle, mon ami, ne t'ébranle. Qu'aucun propos ne te fasse, mes amis, ébranler. Qu'aucune parole ne te trouble. Car la pierre angulaire est le fondement de ta vie. Si ce n'est pas le cas, prends-la comme le fondement de ta vie, de ton ministère, de ton couple. Et tu seras inébranlable. Inébranlable. On peut prendre cette personne au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Et j'appelle de la Guyane. Je suis Liliette, ma soeur Liliette. Depuis la Guyane? Oui, la Guyane. Amen. Ouais. Là, je n'ai pas Internet, mais j'écoute l'émission par téléphone chez une soeur en métropole. Wow. Bon, j'ai fait un rêve pour toi hier soir. J'avais déjà fait un rêve, j'avais appelé la sœur Anne. Elle m'en a parlé. Oh, d'accord. Eh bien, hier soir encore, parce qu'on a commencé une prière pour toi tous les mercredis soirs. Amen. Gloire à Dieu. Et hier soir, je voyais Jésus. C'était pour la première fois, parce que moi, j'ai fait ma première conversion à l'âge de 11 ans. C'est pour la première fois que je voyais Jésus dans un rêve. Je voyais des anges, des gens, mais c'était pour la première fois que je voyais Jésus tout de blanc. Et il avait quelque chose dans ses mains et il me disait,
tu sais ce qui va se passer là? Je vais combattre les gens parce que je prépare une armée. Il appelait quelqu'un et la personne qu'il avait appelée, c'était David. Et David, je voyais David de petite taille avec une sorte de poignard entre ses mains. Il a dit, tu sais, ne crains pas pour le frère Chora. Je vais combattre tous ces gens. Parce que les gens-là qui sont sur la terre, qui l'embêtent, ce sont des enveloppes. Parce que le diable rentre dans les corps de ces gens-là. Parce que le diable, il est sur la terre même. Donc ce ne sont pas des gens qui l'embêtent. C'est le diable même qui cherche à le frapper. Donc moi, je vais combattre. Et puis moi-même, je disais, mais Seigneur Jésus, je prie pour lui tous les soirs avec ma soeur Yvelange et mon frère Joël. J'aimerais aussi rentrer dans ce combat. Il me regarde, il me fait, mais non, c'est toi, tu peux seulement envoyer de la poussière. Et je voyais, je ramassais de la terre par terre, parce que les gros cailloux que je voyais, les hommes avec qui il était en train de se battre, c'était des hommes tellement géants, moi j'ai jamais vu ça sur la terre, des hommes comme ça. Et leur visage, ils n'avaient pas vraiment des visages humains. Ils avaient des visages que je ne comprenais pas. Et des cailloux, les rochers étaient tellement grands, et quand ça tombe sur toi, ça se transforme en ver de terre. Wow. Et c'est ce rocher-là qu'on envoyait. Et aujourd'hui, je vois que tu as prêché encore sur le rocher. Amen. Et quand il a fini de détruire tous ces gens-là, et nous, on ramassait, il y avait des terres, de la terre avec des petits roches, et nous, on envoyait sur ses yeux. Parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas même soulever ces rochers, parce que ces rochers sont trop lourds pour vous. Mais vous pouvez prendre de la poussière, comme ça vous allez les aveugler. Et moi, je n'avais pas compris le rêve. Quand j'ai expliqué à ma sœur ce matin, elle m'a dit que la poussière que je voyais dans le rêve, que Jésus a dit qu'on peut envoyer de la poussière aux yeux des gens qui embêtaient le frère Jora, c'est la prière. Et avant de partir, il me disait, dis au frère Jora, et qu'il doit faire très, très, très attention. Même quand il demande un verre d'eau autour de lui, il doit prier sur ce verre d'eau. Et c'est pour ça que je tenais à te le dire aujourd'hui. Merci, ma sœur. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci. Dieu parle, en tout cas. Amen. 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 Voilà. En tout cas, on va prendre son numéro. Comme ça, hors antenne, on va pouvoir l'appeler, parce que ça me touche d'apprendre que des frères et sœurs prient pour moi et tous les mercredis en Guyane, et ça c'est très encourageant en tout cas. Donc on va prendre ce numéro hors antenne, et puis je vais pouvoir l'appeler, et pourquoi pas envoyer un missionnaire en Guyane, parce que je pense que Dieu veut commencer une œuvre là-bas. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, il est vivant. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Et sois fortifié en Christ. Merci. Donc, on a pris ton numéro. Je vais te rappeler. Ok, d'accord, mon frère. Merci. Au revoir. Ok, au revoir. Alléluia. Vous voyez, Dieu, mes amis, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu m'a dit dans un songe, ton combat est spirituel. Et la victoire, mes amis, nous appartient. Car notre Dieu est le géant des géants. D'ailleurs, El Elyon veut dire le très haut. Il est au-dessus de tous ces géants. Et tant que nous resterons dans la crainte de son nom, nous n'avons rien à craindre. Oh, il est magnifique. Il est glorieux. Vous vous rendez compte, la poussière que les frères et sœurs doivent jeter sur ces géants pour les aveugler, c'est la prière, effectivement. Et que Dieu soit béni pour vos prières. On en a besoin afin que son œuvre se fasse. Vous voyez, des gens qui suivent depuis le monde entier, la Guyane, depuis les Antilles, depuis l'île de la Réunion, des gens qui sont touchés, mes amis. Nous voulons révéler Christ au monde par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit dans Jean 16, quand le Consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi.
n'est-ce pas? Donc, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Quand on est rempli de l'Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais c'est pour révéler Christ par notre vie sanctifiée, n'est-ce pas? Et par nos enseignements, nos prédications qui tournent autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Et c'est ça l'évangile que nous devons prêcher, frères et sœurs, car les temps sont difficiles. Les gens ont besoin d'entendre parler de ce Sauveur qui peut leur apporter de la délivrance, le salut, la restauration, n'est-ce pas, au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Restons attachés à la pierre vivante, à la pierre angulaire. Restons attachés à lui, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quel que soit le rejet dont vous pouvez être l'objet. Restez fortement, fermement attachés à la pierre angulaire. Et ce samedi, à partir de 16h30, heure de Paris, nous avons une réunion de réveil, comme d'habitude. Et puis le 1er novembre, nous avons cette journée de femmes à partir de 10h à Ris-Orangis. Toutes les informations sont sur nos sites, Internet, Radio de Vie, TV de Vie, tout ça. Et puis le 21 décembre, nous avons cette nuit de prière, d'action de grâce à Sarcelles. Voyez. Donc nous vous conseillons à réserver des chambres d'hôtel aux environs de la ville d'Évry pour ne pas être, mes amis, embêtés par les bouchons, parce que Sarcelles, Évry, c'est quand même assez loin. Voilà, donc prenez le temps de réserver des hôtels aux environs d'Évry, de la ville d'Évry, n'est-ce pas? Donc il y a Juvisy, il y a Ris-Orangis, il y a Viry, Châtillon, et tout ça, il y a Courcouronne, il y a Corbeil, voilà, donc il y a plein d'hôtels aux environs d'Évry et sur Évry même, et comme ça vous aurez la possibilité de venir aux différentes réunions de réveil qui auront lieu à partir du 25 décembre jusqu'au 31, voilà, que Dieu soit béni. Voilà, nous avons quelqu'un en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel pays? De la France. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à raconter? Je suis Nicole. Il n'y a pas longtemps que j'ai appelé. J'appelle de Pertuis, du sud de la France, près de Marseille. Je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai pas de retour, j'entends rien. Et c'est vrai que Jésus est le rocher, la pierre angulaire. Bon, je vois que le pasteur Chouroy lève le pouce, c'est ce qu'il doit m'entendre. On vous entend, c'est bon. Voilà. Et je voulais vous dire, une fois j'ai... Merci, pasteur. Une fois j'ai eu une vision, c'est rigolo. Enfin, Dieu, c'est rigolo. Dieu est tellement merveilleux, tellement bon. Moi, j'habite une maison et ma maison s'appelle la pierre plantée. D'accord. La pierre plantée, voilà. Et un jour, j'ai eu une vision que les racines, les fondations de ma maison descendaient comme des racines d'un chêne. Et un chêne, ça descendait les profondeurs. Et j'ai vu un rocher, le rocher de Dieu, je sais que c'est le rocher de Dieu, mais des racines de chêne entrelacées. Mmh. Et on m'a tellement combattu pour que je vende ma maison, que je parte de là où je suis. J'ai dit, mais Seigneur, je ne partirai pas. Tu m'as fait naître à Pertuis. Si tu veux que je parte ou je vende ma maison, il n'y a pas de souci. Tu me mettras où tu veux. Et quand ce soir, tu as parlé du rocher de Dieu, cette vision m'est revenue. Mais cette vision m'est revenue 7 fois plus. J'avais vu une toute petite vision. Et quand tu en as parlé, j'ai vu bien plus cette vision. Et je bénis le Seigneur. Je bénis la sœur qui a dit que quand on priait pour un frère, je prie pour toi. Bon, je n'ai pas à dire ce que je fais, pas toujours, et que je voyais de la poussière. Et j'ai compris, c'est que quand on prie pour quelqu'un, Dieu jette de la poussière dans les yeux pour aveugler nos ennemis. Amen. Voilà, et je bénis cette personne. Je bénis cette personne parce que les écailles de mes yeux sont tombées. Et tous les jours, je prie pour que les écailles de nos yeux tombent. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait mis dans ce,
dans cette maison qui s'appelle la pierre plantée. Et la pierre plantée, j'ai cherché l'historique, c'était un lieu, bon, plus ou moins religieux. Ça a été une campagne que mes parents avaient. Ma maman encore, grâce à Dieu, 84 ans, que Dieu la bénisse, est toujours à vie. Ça a été un lieu où ils ont accueilli les asiles, les asiles qui n'avaient plus rien à manger, à boire. Et je ne comprenais pas, moi, étant jeune, je vais avoir 55 ans, j'ai toujours vu ça. Maman m'a toujours donné à manger aux mendiants. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a sur ce domaine. Et j'ai fait des historiques. Eh bien, ça a été... Bon, au départ, ça a été les moines. Après, ça a été les lépreux. Il y a eu tout un chemin de pierre qu'ils refusaient, les lépreux. Mais le domaine là où j'habite, ça a été un refuge pour les lépreux. Les gens que le monde rejetait, mais que Dieu a accueillis. Amen. Et je comprends. Et c'est quand tu as reparlé du rocher de Dieu, au plus tu parlais de ça, au plus je voyais la vision. Mais moi, j'avais qu'un petit centimètre. Après, ça a été 100 mètres. Et je voyais un grand chêne s'entourer, mais dans les profondeurs de la maison. Bon, les profondeurs de la maison, c'est moi-même, mais c'est la profondeur de la maison aussi terrestre. Bien sûr. Voilà. Et ça, moi, je bénis Dieu parce que tu es vraiment un homme de Dieu. Moi, ce soir, un frère m'a vexé, il m'a dit, bon, pour une photo d'autographe, j'ai pas voulu me mettre en colère parce que Dieu me garde de ça, mais j'ai dit, seul Dieu est parfait. On peut faire des photos d'autographe. Seul Dieu est parfait. Tout à fait. Et voilà. Personne n'est infaillible. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu n'a pas fait de faute. Tout à fait. Quand il dit un point, c'est un point. Quand il dit mais une virgule, c'est une virgule. Nous, on peut oublier de mettre un point sur un i ou le barotter. Voilà. Et moi, je bénis Dieu parce que vraiment, j'encourage ce ministère du mieux que je peux. Je prie du mieux que je peux parce que, comme je l'ai dit mercredi soir, on ne m'a jamais présenté Jésus comme ça. Ils en ont souffert. Mais Dieu me libère. Parce que j'ai eu des cris de souffrance, mais des cris de délivrance. Maintenant, tu m'as... Avec la grâce de Dieu, parce que je sais que tu es un homme loin de Dieu, tu es appelé de Dieu. Moi, je t'ai vu comme Moïse. Et même plus que ça, mais ce n'est pas encore tout révélé. Et... dans la gloire de Dieu, on ne nous a jamais présenté comme ça, Jésus. On peut lire la Bible, mais il faut... Dieu se sert d'un homme pour nous éclairer aussi. Amen. On peut lire la Bible avec notre façon intellectuelle, avec l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine est nulle. Notre intellectuelle humaine est nulle, de chez nulle, archi nulle. Mmh. Et ça, c'est renversé dans le nom de Jésus. Parce qu'il faut lire avec les yeux de Dieu. Et ça, moi, je te dis que tu es vraiment un homme de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu te bénisse. Dieu continue à faire son œuvre en toi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ta femme Estelle. Alléluia. Elle a un charme. Là. C'est une femme vertueuse, ton épouse. Ben elle est là, je vais l'appeler pour qu'elle te salue, Estelle. Voilà, et je serai le 21 décembre et je veux lui faire un bisou. Viens saluer une femme de Dieu qui nous encourage beaucoup, voilà. Attends, j'ai acheté le livre L'Esprit de Jézabel et Le Potier. Quand j'ai lu ton témoignage, j'ai pleuré. Ah d'accord. Oui, j'ai pleuré quand j'ai lu ton témoignage sur le livre du potier. Voilà, depuis Marseille, vers Marseille, là, on nous appelle. Là. Que Dieu soit béni, en tout cas. Ah, c'est la sœur Nicole, c'est ça? Non? Oui, bonjour Estelle. Bonjour, ça va? Je t'ai écouté la dernière fois par rapport à ton témoignage aussi. Tu es passée la dernière fois à la radio? Oui. Mon accent marseillais ne le peut pas, là. Hein. C'est ça, voilà, tout à fait. Bon, on
dit que j'ai la voix qui chante le soleil. Ah, et je chante pour le soleil de Dieu, quoi. Amen. Et je vais te dire, je ne suis pas une femme pour flatter. Mais moi, j'ai vu en toi une femme vertueuse. J'ai lu le témoignage que ton charmant époux a porté. J'ai le livre du potier. Le combat qu'il y a eu, j'ai pleuré, j'ai hurlé. J'ai dit, mais Seigneur, si ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Et ça m'a ému, ça m'a ému. Et tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours, je relis ce témoignage. J'ai dit, mais Seigneur, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. On peut abandonner, être découragé, repartir dans le monde. Mais quand on a Jésus dans son cœur, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Amen. Voilà. Et Dieu fait une œuvre merveilleuse. Vous avez trois choupinous d'amour. Enfin, dans le midi, moi je dis choupinous, c'est les enfants. Hein. Si, oui. Voilà. Et vous avez trois choupinous d'amour. Dieu fait une grande œuvre. Amen. Seigneur, je prie pour ma sœur Esther, parce que je vois qu'elle a un puissant amour dans son cœur. Je te prie de la fortifier, de la relever. Je te prie que tu armes l'Égyptien, amen, contre ce couple de Chora. Amen. Parce que tu ne supporteras pas qu'on combatte l'œuvre. Parce que ça, c'est un homme de Dieu. Moi, je ne connaissais pas l'amour de Dieu comme on m'a dévoilé depuis le 22 juillet. C'est pas vrai. Tout ce qu'on m'avait dit, c'était que de mensonges, c'était que religieux et tout. Je te prie, Père éternel, tu relèves ce couple. Tu relèves, tu fortifies ce couple. Estelle, Chora et ses trois choupinous, comme je dis moi dans le midi, et tous tes collaborateurs, tu les soulèves, tu les relèves et tu leur donnes une puissance que jamais personne n'aura jamais vue. Au nom de Yeshua, je vous bénis et je vous aime. On se verra le 21 décembre. Mon billet de train est réservé. Ah, amen. J'espère qu'on se verra alors. Oui. Ah ben, ça, on ne va pas me louper, hein. Non. Non. On trouvera le moyen de se voir. Voilà, depuis que je suis autochtone, je suis blanche. Voilà, l'année dernière, je suis allée dans une église, on était trois blanches, on m'a appelée chocolat blanc, c'était très très bien. J'ai dit, mais moi, on ne me loupe pas. Mais là, je pense que cette fois-ci, oui, il y aura, il y en aura plus qu'avant et plus qu'on peut même l'imaginer. Parce que c'est un temps pour la France je pense que Dieu va nous étonner. Il va y avoir des gens qui vont venir avec des sacrés témoignages au final. Voilà. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que loin de moi d'être raciste, je porterai mon témoignage. Mais dans mes ancêtres, il y a eu des Noirs. Bon, je suis blanche, mais il y a eu des Noirs. Donc, je ne suis pas raciste, tout ça. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est quand des pasteurs ils disent « Ah, les Blancs, les Autochtones sont incrédules. » J'ai dit à moi-même, j'ai dit « Mais est-ce qu'il connaît mon cœur si je suis incrédule? Est-ce qu'il connaît l'intimité que j'ai avec Jésus avant de me juger ?» Non, mais les gens se trompent. Mais là, Dieu va confondre aussi. Ah oui, les enseignements que Dieu a donné à ton charmant, à ton époux, la Babylone, la culture, les ceci, les cela, connaître Jésus, avocat, connaître Jésus, arbre de vie, Jésus le rocher, Jésus le juge, Jésus le docteur, tout ça. Mais moi j'ai hurlé, je n'arrivais plus à parler. J'ai dit, mais Seigneur, moi je préfère mourir parce qu'on m'a jamais présenté Jésus comme ça, mais viens-tu moi? Eh bien, le Seigneur n'a pas voulu, hein. Que amen. Donc on se verra le 21 alors. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, bisous, je vous aime tous de l'amour de Jésus. Amen, nous aussi. Bisous. Bisous. Wow.
Voilà, donc l'émission est presque finie là. Merci Seigneur pour les Français de souche qui sont de plus en plus touchés. Et voilà, donc on a fini l'émission ce soir. Et Dieu fait son œuvre, mes amis. Dieu fait son œuvre, il fait une belle œuvre. Et nous croyons qu'effectivement, le temps de la France est arrivé. Effectivement, parce que Dieu n'est pas africain. Et ce message qu'il nous a donné n'est pas destiné, n'est-ce pas, qu'aux Africains, c'est les nations. Et c'est pour cela que nous voulons encourager les Français de souche, voyez, qui cherchent Dieu. Venez un peu les enfants saluer la France, les frères et sœurs de France qui sont là, parce que c'est aussi votre génération hein, qui verra l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Voilà, Jojo, voilà, le futur le prédicateur de l'Évangile, Timothée, et bien sûr Noah. Que Dieu soit béni, mes amis, pour l'œuvre qu'il accomplit hein, pour la France. Et nous croyons que cette nation hein, servira le Seigneur. Et mes amis, on le croit, n'est-ce pas, les enfants? Jonathan, est-ce que Dieu peut toucher la France? Bah oui. Bah oui. Alléluia. Et Timothée, tu le crois aussi? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à la France alors? Qu'il faut qu'ils tiennent. Parce qu'en ces fins des temps, et bah, c'est difficile. Avec les tentations. Voilà. Et Noah? Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, on va prendre une dernière personne et puis on va arrêter l'émission. Bonsoir. Voilà. La personne est partie. Donc, que Dieu soit béni. Alors, on se retrouve samedi à 16h30. À Évry pour l'émission. Et demain soir, je pense que. Voilà. Donc, en tout cas, samedi 16h30 à Évry Bradfer. Et merci pour vos prières et pour votre soutien spirituel, vos soutiens spirituels, vos prières, également vos soutiens, vos dons, vos soutiens financiers pour le fonctionnement de TV de vie, Radio de vie, pour le fonctionnement de l'œuvre que Dieu nous a confiée et aussi de l'achat des nouveaux locaux pour le centre d'Idasco et pour TV de vie, Radio de vie. Que Dieu vous garde à tous. À samedi, au nom de Yeshua. Amen.